Hey, what's up? Donc, j'ai une tête de déterré, je sais. Je vais remédier à tout ça en faisant un ravalement de façade. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne Get Ready With Me. Ce week-end à Berlin, on va bouger un petit peu. Je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi. Je vous montre pas assez la ville alors qu'elle est géniale, qu'il y a plein de choses à faire. Donc, nous allons remédier à tout ça. On commence aujourd'hui avec un événement Zalando. Voilà ce que ça donne au final. Voilà mon look du jour. Je pense que par contre je vais mettre un jean finalement parce qu'il fait froid. Mais c'est parti, venez avec moi. Comment? Très très bien. Et surtout pas très cher. C'est vrai. On a payé combien? 22,50€ pour deux avec un déjeuner, avec plat, salade, corn. Soupe aussi, et boisson. Soupe. En entrée, enfin c'est très copieux, c'est très très bon. Merci. Ah mais attends, j'ai pas fini, on va où là? Là maintenant on va au Bread and Butter. Ah ok, bon bah je te suis. Vraiment organisé par Zalando, lequel je vais avoir des chaussures gratuites offertes par Mike et customisées comme les filles. Bon bah allons-y. Thank you.
Si vous avez l'occasion, si vous aimez ce qu'elle fait, si vous avez l'occasion de la voir en concert, allez-y, franchement c'était vraiment sympa. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que l'événement dans lequel on a été hier n'a coûté que 15 euros. Alors ça, c'est juste énorme. 15 euros pour tous ces stands. Benoît, comme vous l'avez vu, a customisé sa paire de Nike offerte. Il y avait plein de stands comme ça qui faisaient ça. Il y avait bien sûr des choses payantes. Désolé pour la lumière, on est en voiture comme vous avez pu le voir. Et attends, je sais trouver. Vous me voyez? Ouais, ça va le faire. Et non, franchement, pour 15 euros, en plus, cet événement qui se termine par le concert de Lauryn Hill, c'était juste énorme. Aujourd'hui, il y a Jaden Smith en guest, les chanteuses qu'on a écoutées tout à l'heure, je ne me rappelle plus les noms. Teflon Don et Princesse Nokia. Voilà, vraiment sympa, on a écouté ce qu'elle faisait avant de partir. Plutôt pas mal. Et dimanche, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Ouais, sur 3 jours.
Mais dimanche, c'est des artistes qu'on connaît pas. Voilà. Mais franchement, à Berlin, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'était trop cool. Aujourd'hui, brunch. Ouais, nous allons manger. On va manger où? Au Reichstag, qui est l'équivalent du Parlement. C'est le restaurant du Parlement. Voilà, et c'est un rooftop. Donc on s'est dit, pourquoi pas tester ça. Je vais vous montrer en image si c'est sympa ou pas. Et j'espère que ce petit vlog vous donnera peut-être des idées si vous venez du côté de Berlin. Au niveau événements, au niveau restauration et tout ce qui va avec la sortie, entre guillemets. Vous pouvez trouver des trucs trop bien ici, trop trop bien. Hier on a mangé pakistanais, c'était excellent, pour pas cher. Et vous avez ça partout dans la ville, quoi. C'est pas uniquement à cet endroit. On était, c'était où? On était où hier? Manger pakistanais avant l'événement. Ça c'était. Je sais plus. Bon, je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver le nom. On vous l'écrira en barre d'infos. Mais c'est pratiquement dans toute la ville. Bien sûr, vous avez des restaurants gastronomiques aussi. Vous avez des restaurants avec un budget plus important. Mais de manière générale, c'est vraiment pas cher à Berlin. Donc les deux menus du jour, avec quand même beaucoup de choix, avec entrée, plat et boisson à deux, il y en a eu pour 22 euros. Ouais, et c'était très bien servi, très très bien servi. Donc voilà, on a envie de vous montrer un petit peu plus de ce que l'on vit à Berlin. On me le demande souvent, donc voilà. Venez avec nous. Si vous avez des questions sur la ville, sur les choses à faire à Berlin, vous n'hésitez pas en commentaire et on sera un plaisir de vous montrer ça, de vous donner l'information, d'aller voir aussi. Et ouais, si vous êtes de passage, dites-nous et dites-nous ce que vous faites, ce que vous avez découvert, les endroits que vous avez aimés, parce que je vous avouerai que moi j'ai pas encore vraiment fait la ville de fond en comble et pourtant je suis là depuis le début de l'année, mais je travaille beaucoup. On va remédier à tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des endroits que vous aimez ici, que vous avez découvert, allez-y, je suis preneuse. Je vous montre un peu de la route parce que c'est très beau Berlin. Et ensuite je vous montre ce qu'on mange. Bisous bisous. Nous sommes arrivés. Alors je vous ai montré la voiture que nous avons louée pour venir au brunch. Drive Now, en fait, c'est un concept qui ressemble un peu à Autolib en France, à la différence que la voiture, vous la prenez n'importe où dans la ville et vous la déposez n'importe où dans la ville. Vous n'avez pas de parking dédié comme Autolib, et ça c'est plutôt cool. Vous avez une application qui permet de vous le géocaliser, de géocaliser les voitures autour de vous. Et il y a un camion. Et donc l'application va vous géolocaliser. Et vous louez votre voiture. Donc cette marque là, Drive Now, utilise des Mini. Et les autres voitures, c'est quoi? Les BMW. Donc ouais, c'est plutôt du haut de gamme, de très belles voitures. Des voitures électriques aussi. Vous avez le concurrent direct qui est Car2Go. Donc c'est le même principe. Et par contre, les voitures, des Smart et des Mercedes. Voilà. Et c'est vraiment sympa, c'est pratique, c'est facile d'utilisation et c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, c'est beaucoup moins cher que de prendre le taxi. Donc c'est vrai que nous on n'a pas de voiture ici parce qu'on a ce système là qui est tellement facile que on en profite. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, tenue, veste en jean parce qu'il fait un peu frais. Ouais, l'été se termine. Long t-shirt qui est fendu sur le côté avec un short
et mes bottes que j'adore. Et je vous montre la tenue de Benoît parce que j'adore et c'est moi qui ai choisi. Le beau gosse. Voilà. Trop cool. Et c'est like costumisé. Yeah. Ouais, j'avoue, le beau gosse. Alors là, le parc à côté, c'est le nom du parc de Tiergarten. Tiergarten. Bon, alors je demande souvent à Benoît parce que moi je sais pas prononcer en allemand et souvent en plus je ne connais pas le nom. C'est le plus grand parc de toute la ville et qui est un peu l'équivalent de Central Park à New York. D'accord. C'est vrai que sur papier il a l'air très très grand. Faudrait qu'on aille le visiter. Mais il a l'air super sympa. Voilà les concurrents de Drive Now. Voilà. Et je te vois marcher, c'est trop bien. C'est trop bien fait. C'est un dôme vitré, ouvert, exactement, qui est
magnifique. Il est magnifique, il était construit en 14 jours, pile poil. Et franchement, super intéressant. Venez voir le Parlement si vous pouvez, si vous avez le temps. Et surtout, manger au rooftop. Le resto est juste énorme. Tu t'en rends même pas. Le rooftop et le resto du rooftop est vraiment super sympa. On a très très bien mangé. On a pris la formule à 30 euros. Pour 30 euros, nous avions alors une coupe de Prosecco qui était vraiment c'était excellent. J.O. Seco. Nous avions du jus d'orange pressé, nous avions du café, des viennoiseries, des œufs, de la charcuterie, du saumon, des marmelades, maison, du miel, du parmesan, du fromage, je crois. Salade de fruits. Ah oui, salade de fruits et un yaourt. Maison avec un coulis maison à la menthe. Ouais, exactement. Et c'était très bon. C'était vraiment très bon. Le tout en terrasse, s'il vous plaît. Ouais, au soleil. Et donc ça, c'est la formule la plus chère. Et vous avez des formules jusqu'à 9 euros pour tous les goûts. Avec, vous avez le bavarois, par exemple, avec une bière, des saucisses, des choses comme ça. Vous avez aussi une formule avec du quinoa pour les végétariens. Franchement, super intéressant. Voilà. That's it. D'accord.